Fromage, poulet pizza, en fait, poulet pizza ananas, fromage, je trouve que ça va pas. J'aime bien poulet ananas riz dans des plats un peu épicés avec du gingembre, j'ai déjà fait un ananas farci, tu vois, comme ça. Après, si vous aimez bien, ce que je dis toujours, si vous aimez bien, moi je m'en contrefous. Je suis pas du tout dans le truc de dire, ouais, c'est une honte de faire ça, tu vois. Juste, personnellement, je n'aime pas. Un peu à l'indienne, ouais, un peu à l'indienne, à la réunionnaise, ouais. Mais après, pour moi, ce n'est pas bon. En fait, tout ce qui va être pizza avec plus de 4-5 ingrédients, déjà, je dis non. Après, je suis complètement ouvert, hein, si vous voulez faire n'importe quoi. Si vous voulez moi, déjà, merguez sur les pizzas, j'aime pas trop. Je vais un peu plus loin que pizza d'ananas. Mais si vous avez une Eva qui fait des pâtes au pistou avec du jambon. Déjà, c'était une soupe. Alors, comme ça, je fais comme ça. Ben fatigué, je me suis rendu compte que j'avais moins de pizza au frigo que ce que je pensais, donc il y a un monde où j'ai encore faim. Ah merde, moins de pizza. Ça c'est mieux vaut moins que trop. Regardez-le! Des pâtes maison surtout. Oui, des pâtes maison. Alors, quand même. Non mais bienvenue à tous ceux qui raident, à qui que je connais bien sûr, de par la famille. Ça c'est beau. Merci d'avoir choisi El Bardino pour ton raid, ça fait plaisir. Du coup, ouais, non, pour moi, les pizzas ananas, je trouve ça dégueulasse, mais j'ai envie de dire, il en faut pour tous les goûts. Vous savez, le tacos, c'est une honte. Mettez des frites molles dans un sandwich rempli de sauce avec sans viande, c'est non. Ouais, moi non plus, j'aime pas les tacos français. Je suis heureux de ne jamais avoir été manger des tacos dans un truc genre kebab tacos, tu vois. Au moins, ça c'est dit. Ouais, non, c'est dit. Mais tu vois, quelque part, j'ai le droit de trouver moi ça dégueulasse et pas dire genre, ah, les gros cons qui mangent, tu vois. Je ne jetterai jamais la pierre à quelqu'un pour aimer quelque chose que je n'aime pas, tu vois. Ça qui est dommage dans la vie, les amis. Ça qui est dommage de faire des dramas Twitter sur les pizzas à l'ananas. Sinon, à part ça, non. C'est vrai que. Par contre, si vous me demandez est-ce que les carbonara avec de la crème sont des carbonara, là je dis non. Là je dis non parce que c'est un plat qui possède un nom. Est-ce que je m'appelle Fabien? Je ne m'appelle pas Fabien. Même si vous voulez que je m'appelle Fabien, je ne m'appellerai pas Fabien. Mais c'est pareil. Twitch m'envoie un message, c'est énorme. Il y a un nouveau truc, je vous dis, je suis transparent, il y a un truc, il me dit. m'envoie un message. Visible uniquement par vous, rappelez à vos spectateurs de vous suivre. Cela pourrait être un bon moment pour rappeler aux spectateurs de vous suivre afin qu'ils ne manquent pas votre prochain stream. N'hésitez pas à me suivre, les amis, pour ne pas rater mon prochain stream qui est demain à 19h30. Pour ou contre pizza ananas? Personnellement, contre le fait d'en manger, pas contre le fait que des gens en mangent parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ce que je dis. Si vous faites de la pizza ananas, très bien, mais ne m'invite pas à la manger. Voilà pour résumer, entre guillemets. Je reviens un petit peu. Toi aussi, tu laisses ce message. Ouais, je crois que c'est dès qu'il y en a un raid. Suivez-le! Suivez cet homme! J'ai jamais eu l'occasion de raid. Je prépare mon forfait parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et ta famille est extraordinaire. Ça me fait très plaisir, ça me touche. Merci beaucoup, Aki. Ça, c'est beau. Et que ça soit Tchernob, t'es énorme comme tu l'appelles Nob. Ou Sloppy Stars. Exactement, les Sloppy Stars qui sont venus plusieurs fois, vous connaissez Sloppy Stars. C'est vachement instructif là. Intrusif, attends, la taille qui prend. Oui, ça a pris la moitié de...